C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de la démarche d'ouverture initiée par le Gabon vis-à-vis de la communauté internationale, afin de garantir une transition ouverte, inclusive et soucieuse des principes démocratiques. Nous avons discuté avec le Premier ministre du respect des délais donnés par les autorités de la transition et nous espérons que le Gabon ait un processus de transition conforme au calendrier établi par celle-ci. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'offre de l'assistance technique du Commonwealth aux autorités de la transition. Nous sommes prêts à fournir tout le soutien technique nécessaire, quelle que soit la manière dont le Gabon souhaiterait être aidé. Il s'agirait donc de fournir un soutien technique en matière d'observation du processus électoral afin que le Gabon puisse disposer d'une démocratie solide aujourd'hui et pour les générations futures. Un idéal que salue le chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, qui par la même occasion a assuré son interlocuteur sur le bon déroulement de ce processus entamé depuis le 30 août 2023, avec pour objectif final de construire un Gabon sur des institutions fortes et crédibles.